Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo rapide pour annoncer la sortie officielle d'EnvoLauncher de la version 1.20.5 de Minecraft intitulée Armored Pawns. Donc c'est une version qui reprend tout ce qu'on a vu depuis un certain nombre de snapshots, hein, depuis la 1.20 et suivante, avec nos nouveaux loups. En voici deux variantes. Je dirais même que le loup blanc, le loup un petit peu classique, bah, c'est presque pour moi le plus compliqué à trouver en ce moment, mais c'est pas grave, je vais trouver. Dans une de mes parties, je crois que j'avais réussi à avoir trois espèces de loups différents, et j'étais mort en fait en allant chercher une quatrième. Enfin, j'étais mort juste après avoir été chercher une quatrième. Autre point très important de cette version 1.20.5, pour ceux qui n'ont pas joué avec les snapshots, eh ben c'est l'apparition du tatou. Alors, il y en avait un tout à l'heure qui se promenait par là, et il s'est barré. Le tatou, où es-tu? On va l'entendre en passant juste à côté de lui trop vite. Il va se mettre en boule, et il va nous faire le petit bruit assez rigolo. Bien sûr que non, il va pas le faire. Ah, je sais pas où il est parti, il était par là. Et bien entendu, quand on fait la vidéo, il disparaît. Hop. Bon, en tout cas, vous avez pu voir le résultat de la récupération de ces différentes écailles. J'aimerais bien quand même vous le montrer en direct. Ce sont donc ces armures pour les loups. Alors, en voilà un loup sans armure et un loup équipé d'une armure colorée en orange. Lui aussi, avec une armure un petit peu plus détériorée, vous pouvez le voir. Waouh, il y en a un qui a voulu s'approcher là-bas, oui. Et là, une armure verte qui a l'air en plutôt bon état. Voilà, donc là, le loup tacheté, bah, c'est le loup qu'on trouve ici, dans ce biome, le biome savane. Alors que l'autre loup, c'est un loup des bois que l'on trouve bah, plus dans. Ah, je t'ai vu, toi. Moi, je t'ai surtout entendu. Hop, alors très bien. En plus, il me ramène un œil d'araignée, ce qui pourrait enchanter. Alors, ce qui pourrait enchanter, disais-je, l'éventuel tatou que je peux rencontrer, mais je pense qu'il va pas vouloir se montrer. Et surtout de ce côté-ci, vous voyez, on est sur une limite entre deux biomes, et donc potentiellement le tatou n'est peut-être pas là. Bon, il l'était il y a 5 minutes avant que je commence la vidéo, j'avais fait exprès de venir. J'ai peur de me casser la. Oui. Allez, si on descend comme ça. Non, rien, pas de tatou. Et puis alors j'ai vraiment rien emmené avec moi pour passer la nuit, donc faut vraiment qu'on aille. Alors pas de l'autre côté ici, parce qu'il n'y aura rien. Mais je me suis vraiment planté de biome. Je suis pas au bon endroit. Alors, les loups se cassent les figures, mais potentiellement ceux qui sont équipés d'armure prennent des dégâts d'abord sur l'armure avant de prendre des dégâts sur leur cœur à eux. Waouh, c'est chaud par là en fait. On va éviter cette zone et on va retourner là-bas dans le biome savane où j'espère qu'on va retrouver notre ami le tatou. Ce qui n'est pas gagné du tout. Alors, si vous avez regardé les vidéos précédentes, m'avez déjà vu passer par ici. Et donc, potentiellement, s'il y a des tatous, ils sont là-haut. Alors, on va essayer de faire le tour. Une araignée. Allez, on remonte par là. Hop.
On me demandait par où je vais aller pour trouver un tatou. Je pense que je dois en avoir là quand même ici. Alors ce que j'entends, c'est pas du tatou. Là non plus. Ah oui, les loups sont occupés. J'ai cru voir passer là, non? Ah! Ah, ça c'est plutôt rigolo. Ils ont dû se battre entre eux et donc le zombie en veut. C'est très drôle. Regardez-les se poursuivre. Et voilà. Ah non! Vu que mon loup a réussi à faire la peau. Hop. Bon, ben j'y crois pas, hein. Je vais pas pouvoir vous montrer de tatou. C'est quand même étonnant ça. Et surtout, j'aurais bien aimé vous montrer une petite écaille et vous montrer qu'on peut réparer une armure. Oh non, je te déteste. Ah bah voilà un tatou. Bon, on va s'occuper de un deuxième. Voilà. Et je pense que j'ai récupéré une écaille. Alors, on va se préoccuper d'abord du... Il est où? Voilà. Raté. Allez, loup, occupez-vous de lui. Voilà. Ouais, bien joué. Hop, on se débarrasse de lui aussi. Et voilà nos amis les tatous qui se mettent en boule quand on s'approche trop vite d'eux. Et qui donc apprécient les yeux d'araignée. Voilà. Ah bah les voilà, il y en a trois là. Et le soleil se lève. C'est toujours aussi sympa avec les shaders. Donc les tatous, vous ne verrez pas les frapper pour récupérer des écailles, mais voilà, on va en trouver une en bas. Ah non! Il m'a détruit mon écaille. Oh putain. Pas vrai ça. Et lui il me donne pas d'œil. Ah bon, bah j'en ai récupéré quand même. Allez. Donc, deux petites écailles. Voilà. Ah bah en plus, comme je l'avais jamais fait, je récupère le progrès en direct. Donc, un petit clic droit et un deuxième clic droit. Et bon bah là ça n'a pas changé grand chose, ça lui a pas modifié énormément, mais voilà, c'est récupéré. On va pouvoir donc maintenant enchaîner les parties sur cette nouvelle snapshot, pardon, nouvelle version, parce qu'on n'est plus en snapshot, et attendre, bah, j'espère la semaine prochaine pour des nouvelles snapshots et des nouveautés. Aucune idée de ce qu'ils peuvent nous apporter, mais que du bien, enfin en ce moment c'est plutôt génial ce qui nous est proposé entre donc les loups, le tatou et ses particularités, les chambres d'essai et là aussi pas mal de nouveautés, les effets funestes, bref, beaucoup de nouveautés et bah, des nouveautés qui permettent de, ouais, de jouer un petit peu différemment, de créer un peu de nouveautés. Voilà, moi je sais que j'ai une grosse envie de d'avoir toutes les variétés de loups, ce qui permet de débloquer d'ailleurs un progrès spécifique. Donc ouais, je cracherai pas sur une belle expédition là pour retrouver tous ces loups. Mais pour ça, bah, il faut trouver une zone avec plein plein de biomes différents
et ça va pas être le plus facile. Voilà, et ben je vous laisse là-dessus. Je retourne à mon village où je suis en train de terminer une construction un petit peu spécifique. Et je vous montrerai ça certainement dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt.